Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, dans cet épisode on va aller sur un système de type excentrique. On va plutôt partir sur une excentrique, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec tout ce qui est planète vide un petit peu. Vous voyez le endgame là et les planètes volcaniques tout ça qui sont un petit peu vides. Je préfère encore partir sur quelque chose d'un peu plus qui donne plus matière à rêver, on va dire. Et on va ranger un petit peu notre bordel. Les deux drills. Ok. Hop. Là-dedans. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. On retrie tout. Hop, hop, hop. On retrie. C'est déjà pas mal. Là-dedans, on a un bordel monstre aussi. Hop, si on peut redescendre. Hop. Là, je suis full de chez full normalement là-dedans. Crac. Je range tout ça vite fait. Je referai le tri plus tard. Hop. Crac. Voilà. Alors, on a des choses importantes ici là-dedans. Faudra que je refasse un. Bah, quoi que, attendez, j'ai le bureau normalement. Oui, j'ai le bureau. Je peux ranger des choses dans le bureau. Est-ce que je peux ranger des choses directement dans le bureau? Oui. Hop. Hop. Déjà ça. 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 Et ça. Hop. Que j'irai ranger plus tard, donc ailleurs. Alors, pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Faisons un petit test. Est-ce que j'avais bien mis les portes? J'avais pas mis les portes. D'accord, intéressant. Intéressant. Bon bah on descend. Donc nous sommes sur une planète de type Ocean. Intentionnellement. On va aller se balader donc dans les profondeurs sous-marines. Hop. Qui sont vraiment très profondes apparemment, hein, c'est génial. Ça y est. Et là on a un coffre déjà pour commencer. Avec la tenue de boucanier. Hop. Je récupère le reste et je supprime le coffre au cas où. Hop. Pas trop loin. Hop. Donc ça c'est la petite astuce, je sais pas si vous vous souvenez chers amis, pour... comment dire, aller plus vite. Hop. Sous l'eau. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, vous faites monter votre personnage, vous avez votre grappin. Vous faites monter votre personnage avec espace, vous le faites avancer, vous appuyez sur haut et hop en même temps vous cliquez. Bon c'est, faut aller très très vite. Donc vous faites monter votre personnage. En même temps vous appuyez sur avancer et sur haut. Donc en gros, hop, vous avancez, vous appuyez sur les hauts et avancez en même temps et vous faites des clics droits en chaîne. Forcément, je fais bugger mon truc. Voilà, je sais pas trop comment ça va, ce que ça va donner. Et en fait, voilà, vous avancez comme ça. Alors faut aller assez vite, pas trop loin, mais assez vite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est intéressant. Rien du tout. Vraiment rien. Vraiment rien, intéressant. Enfin, inutile. Ok. Rien non plus. Hop, vous pouvez laisser le truc tirer un petit peu. Ah! Re. Bon, je vais y arriver. Hop, si je peux aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oula! Peut-être aller un petit peu trop vite. Encore un truc bizarre. Vide, cependant. Hop. Continuons, continuons. Hop, hop. D'accord, c'est intéressant. Une drôle de formation avec des choses à l'intérieur. En l'occurrence de l'or. Donc on va casser tout ça. Hop. Hop. Parfait.
Rien par là. On va retourner voir là-dessous. La dernière fois, ça nous avait fait des choses en souterrain, du coup. C'est peut-être profitable, non. Alors, dans ce biome, on peut trouver normalement une armure spécifique. Et aussi quelques armes. Enfin, au moins une arme. Donc, je vais pas vous les spoiler pour peu qu'on les trouve avec un peu de bol. Ça, je ne sais plus. Alors. Je sais que quelque part il y a un de ces trucs là qui normalement geyser. Alors attendez, est-ce qu'il est fonctionnel le geyser en tant qu'objet, je veux dire. Ah, je peux replacer en sous-marin, d'accord, intéressant. Non, il est pas fonctionnel du tout, c'est dommage. Hop. Hop, rien par là. Alors j'avais déjà vu une de ces formations aussi. Je vais en profiter pour descendre. Et rien dedans, dommage. Hop, moi j'aime bien les fonds marins, je trouve ça super agréable à visiter. Hop. Bon, certes, c'est chiant si vous cliquez en dehors de votre fenêtre en voulant aller chercher le sol. Mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Non, tu ne me poursuivras pas. Tu n'es pas assez rapide. Je suis bien plus rapide que toi, le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Le geyser. Pourtant, ce n'est pas celui dont on a fait le tour. Hein. Je peux vous l'assurer. Ah, là par contre, il y a peut-être quelque chose. Là, il y a un coffre. Ah! Avec des ballons d'eau. Génial. Vous la sentez ma joie, chers amis? Est-ce que vous la sentez ma joie? Alors il est fort possible que je vais en rater quelques-uns. Ah, là-dedans, on va aller voir par contre. Ce qui est casse-couille, c'est que je vais être obligé de... Hop. Faire une cuvette. Et dans cette cuvette, je vais devoir la boucher et je vais la boucher avec du sable. Hop. Voilà. Crac. Voilà. Hop. Et ici on trouve le bouclier. Je suis vexé, je l'avoue. Je suis extrêmement vexé même. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ça, c'était cendre. D'accord. Vous allez vous noyer alors, j'en ai rien à foutre. Normalement, l'eau va monter. Voilà. C'est le véritable problème en fait de cet océan, c'est que l'eau finit toujours par monter. Il a fallu que je prenne des drains avant de partir en fait. C'est marrant, il voulait pas lancer tout à l'heure le... Bon, c'est pas grave. Hop. Alors. Rien par là. Ah ! Si, c'est bon, j'ai réussi à choper le sol. Hop. Crac. Rien. 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 Non, rien de rien. Non, je ne... y a un coffre là. Et y a rien dedans. Je me suis complètement fait eu. C'est dommage que le geyser soit pas fonctionnel. Oula. Là, y a un gros truc. Me rapporte 5 pixels. Merci, jeu. Tu me fais m'arrêter pour rien. Tout comme là, d'ailleurs. Hop.
Hop, quand ça descend, c'est casse-couille, on n'y voit rien. Hop, rien. Je ne m'arrêterai pas une seconde fois bêtement. Là, par contre, il y a une formation étrange. Aha! Hop. Ah merde, j'ai pas fait celle qu'il fallait. J'ai eu un problème de visualisation, chers amis. Est-ce que tout le sable est descendu là? Oui, apparemment. Mais où est-ce qu'il va en fait ensuite? J'ai du fine sand, du moon dust, mais pas de sand. Ah si, le voilà. Hop. Voilà. Ah non, trop près. Trop près. Hop. Voilà. Comme ça, je me reconnaîtrai quand je passerai par là. Encore une formation étrange. Ouais, non, celle-là, elle est vide. Certain. Hop. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien. On va aller voir ça. On a bien fait. Oh. Quel est ce biome? Je vais aller voir. Là, je me sens forcé d'aller voir. Par contre, ça c'est stupide comme connerie. Mon très cher Marcus, ça va pas le faire. Alors, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Pour savoir par où faut que je remonte. Crac 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 crac. Glow Fever. D'accord, c'est un biome slime. Non, même pas. C'est du poison. Ça, c'est de la slime ou pas? C'est du poison aussi. Donc, c'est une glowing... un glowing biome. Glowing Poison Biome. Je connais pas. Intéressant, celui-là je vais le garder, chers amis, je pense. Ouais, je pense que je vais vraiment le garder. Hop. Maintenant, j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce que... Elle se transforme en poison. Alors maintenant qu'on a ça... Regardez le poison qui remonte. Regardez le poison qui remonte. Il s'est arrêté au cube d'eau en fait. Littéralement. Donc maintenant la question est de savoir si je bouche ici. Et que je récupère un maximum d'eau. Ici. Non, ça marche pas. D'accord. Ok. Par contre, si du coup je remplace... D'accord. Ça se la joue comme ça. Même en faisant un clic droit, je peux remplacer... Oh. Intéressant. Un poison viral, donc. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il
Donc ça veut dire que si je fais un clic droit tout basique ici, il veut bien monter. D'accord. Et si je l'enlève, le poison retombe. Et ne se remélange pas. D'accord. C'est vraiment intéressant ça par contre. Bon là par contre je vais pas me faire chier, hein, je passe. Hop. Vu que c'est complètement vide en plus. Ah, pirate pente. Bon, c'est pas ce que je cherchais non plus. Je préfère avoir le truc qui va avec, mais bon. On ne peut pas tout avoir. Et donc ce biome est vraiment très particulier. Hein. Il crée des zones plates. Il apparaît même en au-dessus. C'est d'une violence. Quand même regarder des fois si on trouve un coffre à la surface, mais bon. C'est un biome que je ne connaissais pas. Si quelqu'un a le nom du biome, je serais ravi de l'avoir. J'y pense. C'est du poison là aussi? Non? Ah non, j'aurais cru. Hop, un autre coffre. Buccaneer Pants, essayons là. Hop, non, le voici. Cool. Et il me semble qu'on a le l'objet de tête. Aussi. Mais qu'on l'a dans le vaisseau. Faudra qu'on aille voir ça tout à l'heure. Hop. Le pistolet à eau, je l'avais oublié. Exact. Exact, exact, exact. Je l'avais complètement zappé. Je suis désolé. Alors. Ah bah il va pas être efficace sous l'eau, j'imagine. Ouais, je me doute bien. Vivement qu'on remonte alors pour que je puisse vous montrer ça. Hop, là y'a rien. Alors, est-ce qu'ici on va tomber sur quelque chose? Toujours rien. Là non plus. Là, on va pouvoir aller. Hop. Hop. On a le rum barrel. Haha. On en trouve quand même un petit paquet d'objets de customisation, donc c'est cool. Là, on a un coffre. On a le tricorne, c'est génial. On les a tous pratiquement, je crois. Le tricorne. Le masque avec le tuba qu'on va mettre, qu'on va garder. Et la bouteille d'oxygène. Donc en gros, imaginons. Ah bah je peux pas. Faudrait que j'ai un truc qui serve de maillot de bain en fait. Genre la tenue en slip. Ce serait cool. Ça faut le faire, Chucklefish. La tenue slip. Faut absolument la faire. Alors. Hop. Bon, le bouclier, j'ai déjà pris. Hop. Alors, par là. Par là. Par là. Alors, techniquement, s'il n'y a... Ah, voilà, là, il n'y a rien, donc on a fait le tour de la planète, chers amis. Hop, donc je remonte à la surface, le plus rapidement possible, d'ailleurs. On va essayer de se trouver aussi une... Hop. Et je vais vous montrer le pistolet à eau. Hop. Alors je sais pas si je peux remplir. Je sais pas si je peux remplir une cuvette avec. Ça peut être intéressant d'aller voir. Donc pour ce faire c'est très simple. Vous partez du sol, vous faites un truc comme ça. Hop, vous faites ça. Ensuite vous faites ça. Prenez votre pistolet à eau, vous vous mettez à la surface. Et je peux remplir une cuvette avec. Et hey, ça c'est bon ça. En plus ça va assez vite, je dois reconnaître que... Je suis surpris de la vitesse à laquelle ça va.
Du coup, juste pour voir, on va refaire un autre essai. Si je fais un truc un peu plus balèze, genre... Genre ça. Une baignoire, quoi, au final. M'en fous, c'est de la pierre, hein, je peux me permettre. Combien de temps il met à la remplir cette baignoire là? Parce qu'elle est quand même assez balèze, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça remplit quand même assez vite, hein. En plus, j'ai la flotte qui m'aide, donc c'est génial. Ah, puis elle est vraiment sujette à la. Ah, c'est cool. Ça peut faire fontaine, autrement dit. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, on remonte sur le vaisseau. Il nous manque encore quelques armes sur ce biome, malheureusement. Il nous manque par exemple comment le harpon, le fusil à harpon. Mais bon. Bon, et eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, chers amis. Et moi, je vais ranger tout ce bordel. Hop. Et hop. Alors. J'avais mis quoi? Oui, d'accord. Ici, dans le coffre, on va mettre les instruments. Je sais que j'en ai minimum. Bon, j'en ai déjà mis un. C'est cool. Hop, ici, on met les fringues. Et moi, je vous laisse. A tout de suite pour le prochain épisode. Pour ceux qui regardent la playlist.